Wesh, les petits Willy Loot, nous sommes... Enfin, je suis toujours tout seul. Le vendredi 13. Out de l'année 2021. Philippe Soccer. Alors... je sais plus si c'était ce matin ou hier matin. Je suis allé à Strasbourg à vélo. Rue du marché Gaillou, place du marché Gaillou, et je suis arrivé à un restaurant. J'aurais dû me reconnaître. Et moi, il dit Philippe Stocker. Nous sommes donc le vendredi, c'est le jour du radar. Et j'ai une question. J'ai un document sous les yeux, un commandement de payer du 5-8-2021 à monsieur David Terrade, comptable public par délégation. Donc une amende qui est titre exécutoire, 180 euros pour un kilomètre de trou, quelque part, un truc comme ça, montée, et des frais, coût du présent acte 750, il suffit de lui d'appuyer sur un truc, un clic de souris, c'est monté à 187,50 €. Alors, monsieur Terrade, je suis en moniteur auto-école, j'ai 450 000 km d'auto-école, j'ai pas le moindre accident, même partiellement fautif, pas moins de 20 000 heures. Donc, je suis un expert en auto-école. Je suis aussi informaticien et je viens de retrouver un travail. Je commence le lundi 16 août, donc très bientôt de l'année 2021. Je vais être libre de bonnes nouvelles aux dernières nouvelles d'Alsace que je remercie pour leur confiance. Alors, au 36 rue de l'Hôtel de Ville, l'huissier du trésor va me piquer ma téloche. Mais, quand vous tapez rap, haute pierre, un coucou à tous les jeunes décidés, rien contre vous, vous voyez des bandes armées, très probablement avec des pistolets à eau, comme Alexandre Benalla, et aussi des marchandages de. Supposer du cannabis, mais ça doit être de la pâte à modeler avec de l'argent en espèces et des billets de Monopoly, hein, comme ceux qu'avait Claude Guéant quand il avait loué un coffre à la BNP aussi grand que l'on pouvait y entrer debout, lui disant que c'était pour cacher des discours de campagne de Nicolas Sarkozy. Alors voilà, je me sens pas très en sécurité, numéro 36 rue de l'Hôtel de Ville. Parce que si j'étais là-bas, hein, c'est Fabrice Loutieni qui dit le tribunal de Cahors a condamné à 6 mois de prison ferme à l'SDF parce qu'il avait loué des pâtes. Et il dit que il reprend un sketch de La Fontaine, suivant que vous soyez puissant ou misérable, les jugements de cour vous rendront blanc, tout noir. Alors donc, appelez-moi pour me donner des explications. Philippe Stocker, 06 35 17 65 33 ou 06 02 34 95 13. 06 02 34, c'est facile à se rappeler, c'est une suite logique. 95, c'est la banlieue, c'est Dieudo. 13, c'est les Bouches-du-Rhône, c'est anciennement Jean-Claude Godin. Condamné, enfin mis en examen pour trafic d'influence et détournement de fonds publics, Jean-Claude Godin qui dit qu'à Marseille, à la Canebière. Il n'y avait pas besoin de l'enlever pour inventer le vélé. Ben, Marseille à la Canebière avec une simple petite pince. Monseigneur, tout le monde a accès à l'eau. Il y a même les filles que je salue qui sont en accès libre. À Marseille à la Canebière, vendredi 13 août, ça porte malheur. De l'année 2021. Philippe Stocker, end of. Attention. J'ai fait, quand j'étais plus jeune, j'avais fait apprenti haltérophile. End of. Ah là, ils vont t'attendre des petits cas, Philippe.